Alors voilà, c'est ce que j'ai pour l'instant pour mon exposition. Sûrement ces trois tables. Il y aura encore plus dans quelques jours. Longue histoire. Et qu'est-ce qu'on a ici? Hein? On a des sacs en plastique avec quelque chose dedans. On ne sait pas vraiment. Peut-être un serpent qui a mangé un éléphant et puis est allé passer l'hiver dans un sac en plastique. Ou plutôt, ce qu'on a ici, c'est des pièces d'une reproduction de la pierre solaire aztèque. L'originelle mesure 3,5 m. Ma reproduction a été seulement de 2,5 m, tout petite, enfin, ouais, 66% de l'originelle. Et ici, on a les pièces qu'on peut toucher. On peut pas les voir, on peut pas les entendre. C'est pas de l'art visuel, ce n'est pas de l'art de spectacle, c'est de l'art tactile, quelque chose que d'habitude les gens ne trouvent pas, n'ont pas d'expérience. La seule manière qu'on peut se rendre, avoir la communication avec l'art, ce genre d'art, c'est avec le sens de toucher. Donc ici j'ai cette forme ici, hein, ici j'ai la bouche, d'accord. Alors ce que j'ai ici, c'est cette portion-là de l'originel, cette partie ici, vous pouvez, ici cette forme, et puis la bouche ici, c'est là. Et moi, je connais maintenant le résultat, mais c'est une expérience différente. C'est vraiment de l'art, un genre d'expression, des communications avec laquelle on n'est pas habitué. La plupart des gens n'ont pas cette expérience de ne pas pouvoir voir l'art. Ici, vous pouvez le toucher. Alors, venez, pas venez voir, venez toucher ou quelque chose comme ça.